nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Chers amis, frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons à Marseille la mémoire de Saint Jean Cassien. Saint Jean Cassien, père de l'Église, Saint Jean Cassien, qui passe pour le fondateur de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Saint Jean Cassien, qui est le trait d'union entre l'Orient et l'Occident, lui qui était né dans la Roumanie actuelle, dans la Dacie antique, et qui a amené sur les rivages de la Méditerranée occidentale eh bien, toute la force du monachisme oriental et qui l'a ainsi intégré à notre propre christianisme ici. Nous prions particulièrement Saint Jean Cassien afin que, eh bien, il fasse revivre encore plus et toujours justement l'intuition qui fut la sienne en créant l'abbaye de Saint-Victor, que la prière des contemplatifs est si importante pour la force et l'action de l'Église. Nous prenons les psaumes, page 59. Psaume 107. Éveillez-vous, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter, jouer des hymnes. Ô ma gloire, éveillez-vous, je rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Que tes bien-aimés soient libérés. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé, je triomphe, je partage si cher, je divise la vallée de Soukhot. À moi, Gad, à moi, Manassé, Éphraïm est le casque de ma tête, Judas, on a trop de commandements. Moab est le bassin où je me lave, sur Édom, je pose le talon. Sur la Philistie, je crie victoire. Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Édom? Sinon toi, Dieu qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées. Porte-nous ce avec Dieu, nous ferons des prouesses et lui piétinera nos oppresseurs. Cantique d'Isaïe. Le Seigneur m'a comblé de joie. Il m'a revêtu de sainteté. Je tressaille à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu. Que par ses joyaux, comme la terre fait des son gel.
germé la justice et la louange devant toutes les nations. Pour la cause des Simons, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que son juste ne monte comme l'aurore, que son sauveur ne brille comme la flamme. Et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau. Que ta bouche du Seigneur, que la bouche du Seigneur dictera. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu dont la parole est vie,
tu te révèles à ceux qui te cherchent dans le silence. Fais qu'à l'exemple de saint Jean Cassien et fidèle à ses enseignements, nous puissions te découvrir toujours plus dans la prière, afin de nous donner aux autres avec un cœur rempli de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Helkias. L'un des prêtres qui était à Anato, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, frères et sœurs, comme je le disais au début de notre célébration, nous fêtons aujourd'hui la mémoire de saint Jean Cassien. Et Jean Cassien, qui occupe dans l'histoire des mouvements monastiques dans l'Église, une place particulière, notamment grâce à ses ouvrages, à ses conférences, et notamment à ses institutions cénobitiques, non compliquées pour nous rappeler tout simplement sa méditation sur le rôle des moines, des moniales, sur le rôle de ces communautés qui, dans le secret de leur monastère, de leur couvent, prient pour le monde. L'époque de Jean Cassien a vu une efflorescence de tous ces mouvements. Il a vécu au tournant du 4e et du 5e siècle. Il est mort en 435, si je me souviens bien de la date. Et à cette époque-là, certains cherchaient un idéal de perfection chrétienne. Beaucoup l'avaient trouvé dans la période antérieure, dans la persécution, dans le martyr, dans l'offrande qu'ils faisaient de leur propre vie, le sacrifice de leur vie en témoignage pour le Christ. Mais les temps de persécution étant passés, certains cherchaient encore à développer cette perfection chrétienne, ce don total de sa propre vie, et la trouvèrent dans le sillage du grand saint Antoine, c'est-à-dire le saint Antoine du désert, saint Antoine d'Égypte et de d'autres mouvements du même ordre, le trouvèrent dans le retrait du monde, dans la fuga mundi, la fuite du monde, comme on l'appelait, afin de prier, de se perfectionner toujours plus par une vie intérieure toujours plus intense. La particularité de saint Jean Cassien, et notamment de sa fondation du monastère et de l'abbaye de Saint-Victor, ici à Marseille, c'est qu'au lieu de s'isoler, même si ce n'était pas complètement dans la ville, il a voulu que ce monastère fût fondé en face de la ville de Marseille. Il n'a pas voulu véritablement fuir totalement le monde, mais d'une certaine manière, être comme un témoignage face à la ville. Les Marseillais de l'époque pouvaient voir ce lieu particulier où des hommes cultivaient la perfection chrétienne, cultivaient la connaissance de la parole de Dieu, la familiarité avec cette parole de Dieu, essayaient de la faire mieux vivre en eux, de manière plus parfaite, plus intense. Ils avaient en face d'eux, et j'allais dire physiquement, c'est de l'autre côté du Vieux-Port, ils avaient en face d'eux ce témoignage que la perfection chrétienne, elle peut se vivre d'une certaine manière, quel que soit l'état de vie qui est le nôtre, et que les uns et les autres s'aident mutuellement par la prière, par l'exemple, à se perfectionner. Car saint Jean Cassien n'est pas réservé, si j'ose dire, la lecture de saint Jean Cassien n'est pas réservée aux moines et aux moniales. Ce qu'il voulait, c'était cette perfection intérieure. C'est un maître aussi de la mystique chrétienne, de cette purification à laquelle nous devons véritablement nous livrer pour que la parole de Dieu qui est semée dans le monde, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, vienne se nicher, vienne trouver une bonne terre, une terre dans laquelle cette parole de Dieu va pouvoir lever, grandir, donner du fruit jusqu'à 100, jusqu'à 60 ou 30 pour 1. Oui, les moines, évidemment, vivent d'une manière un peu exceptionnelle cette proximité et cette purification, mais il nous donne aussi en exemple la purification qui doit être la nôtre.
Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à nous purifier intérieurement afin que, sous l'effet de la grâce de Dieu, nous puissions être cette bonne terre accueillante, cette bonne terre dans laquelle la parole de Dieu qui sera semée par le Christ va pouvoir germer, grandir, devenir féconde et se répandre tout autour de nous en bienfaits tels que le Seigneur veut que nous les produisions. La parabole du semeur nous rappelle ceci, c'est que la parole de Dieu nécessite de notre part une conversion. Nous devons nous convertir, nous devons nous retourner vers la conversion. On a parfois tendance à croire, notamment c'est le cas lors des temps de carême ou des temps de l'Avent, on a tendance à croire que c'est une succession d'efforts que nous devons faire, comme si c'était une forme de souffrance devant laquelle parfois on renonce assez vite. Mais en réalité, la conversion, ça n'est rien d'autre que de se retourner vers. C'est l'étymologie même du mot, le sens littéral du mot, se convertir, c'est se retourner vers. C'est-à-dire accepter de ne plus regarder seulement les réalités de ce monde et se laisser dominer par elles. Mais c'est accepter de regarder la force et la puissance de Dieu, la force et la puissance de l'amour de Dieu, et de nous laisser tout entier saisir par elles. Et au fond, à l'époque de Jean Cassien, les Marseillais qui vivaient d'un côté du Vieux-Port avaient en face d'eux ce monastère, ce lieu particulier où des hommes essayaient de se convertir, de se perfectionner, et finalement, ils pouvaient se retourner vers, afin eux-mêmes de se convertir vers Dieu. Alors, chers amis, frères et sœurs, demandons au Seigneur cette grâce simple, en définitive, et pas si compliquée que cela, de nous donner la force d'accepter de nous retourner vers lui, de le contempler, lui, de nous laisser enseigner par lui, comme le prophète Jérémie, de nous laisser toucher par lui, afin que sa parole, la parole qu'il sème dans le monde, soit reçue dans notre cœur comme dans une terre fertile, dans une terre qui n'attend que sa parole, dans une terre qui n'attend que de donner le fruit que le Seigneur souhaite que nous produisions, afin qu'à notre tour, nous puissions pousser nos contemporains à se retourner vers celui qui est la source de tout amour, de toute miséricorde et de tout salut, le Christ notre Seigneur. Amen. Les yeux levés vers le Christ, splendeur de la gloire du Père, nous le prions.
Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable auprès de Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, sans qui nous ne pouvons rien, daigne accepter les dons que nous te présentons en la fête de Saint Jean Cassien et permet que par son intercession, nous puissions nous offrir tout entier à la louange de ta gloire en sacrifice saint, capable de te plaire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean Cassien et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute particulièrement notre action de grâce montée vers toi pour Kevin Bertil et Marlène Christine.
dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous confions particulièrement à ta miséricorde Benito Giamberton et les défunts de la famille Giamberton. En ta bienveillance, accueille-le, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau.
cantique de Zacharie, page 69. Croyez en la lumière et vous serez des fils de lumière. Prions le Seigneur. Tu as répandu sur nous, Seigneur, l'abondance de ta grâce. Renouvelée par cette Eucharistie, puissions-nous, à l'exemple de Saint Jean Cassien, ne jamais rechercher que toi et demeurer sans cesse en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous tourner vers la bienheureuse Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, priez-nous. Reine de France, priez-nous. Secours des chrétiens, priez-nous. Notre-Dame de la Garde, priez-nous. Saint Joseph, priez-nous. Saint Jean Cassien, priez-nous. Nos saints anges gardiens, priez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Glorifiez Dieu par toute votre vie. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous.